kozalizambe mama yawe kumama yawe kumama kozalizambe soki na yemeli yote yayanangai ata wandeke kubita milolo yawe yawe kumama yawe kumama kozalizambe kumama kozalizambe kozalizambe kumama kozalizambe Oh, yo zalizambe, yawe kumama, yawe kumama, yo zalizambe, yawe kumama, olinga motema, yawe kumama, ikina na tango, yawe kumama, toyengali yo yawe, yawe kumama, golo nanga, yawe kumama, yo zalizambe, yawe kumama, chino nanga yo, yawe kumama, tuluka wanda machunde, yawe kumama, tuluka wanda Seigneur, nous venons te remettre encore le reste de ce culte entre tes saintes et puissantes mains. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de tout. Élève Jésus-Christ au milieu de nous. Agis au nom de Jésus. Étends ta sainte main à ma Père. Arrache-nous des dangers. Enseigne-nous à connaître ta volonté. Enseigne-nous à connaître ta volonté. À marcher sur tes pas. Accomplir notre mission sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Qu'il croit ce que l'on diminue. Qu'il croit ce que nous puissions diminuer. Que son règne vienne. Que sa volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Dans ce culte comme au ciel. Tu as dit dans ta parole que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans les cieux. Ce que vous allez fermer sera fermé aussi. J'ouvre le pardon en ce lieu. J'ouvre la grâce en ce lieu. J'ouvre la bénédiction ce matin. J'ouvre les bonnes choses éternelles, Dieu. Et que toute la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé depuis le jeudi passé un moment dans la présence de Dieu que nous avons dénommé pour tout ce mois d'octobre famille source de destinée. Pour dire à une personne ce matin, ta famille est la source de ta destinée. Tu n'as pas une autre destinée en dehors de ta famille. Parce que Dieu part par ta famille pour te donner cette destinée qu'il a préparée pour toi. Bien aimé, c'est vrai, nous allons arriver à la définition de la destinée. Mais j'aimerais survoler un tout petit peu pour te le dire ce matin. La destinée, lobby, c'est le rêve de Dieu pour toi. Alléluia, bien-aimé. Amen. C'est-à-dire, comme tout homme a un rêve dans la vie, comme tout homme a des ambitions dans la vie, comme toute personne s'attend à vivre quelque chose dans l'avenir, comme Dieu aussi a dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Chacun de nous a un avenir. Chacun de nous a un futur. Mais dans ce futur-là, chaque personne a une image. Qu'il se fait, c'est son futur. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alors, cette image-là que toi, tu te fais pour ton avenir, ça s'appelle aussi des rêves. Je rêve de venir. Je rêve être. Je rêve aller. Je rêve faire un jour. C'est comme ça que Dieu aussi, il rêve pour toi. Et le rêve de Dieu pour toi, ça s'appelle destinée.
lobby. Le rêve de Dieu pour toi, ça s'appelle destinée. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas commencé par là. Parce que dans notre thème, il y a trois mots qui constituent ce thème. Il y a la famille, il y a la source, il y a la destinée. Par rapport à la famille, bien aimé, nous avons donné la définition de la famille. En tout cas, je vais essayer d'aller rapidement pour ne pas faire rater à tous ceux qui n'étaient pas là la semaine ce dont nous avons parlé en ce lieu. Nous avons dit que la famille était l'ensemble formé par les parents et leurs enfants. Et ça, on a dit que c'est la famille restreinte. L'ensemble des personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par alliance. Ça, c'est une famille élargie. Groupe de genre qui représente des similitudes entre eux. Ça aussi, c'est une famille. Et par là, nous avons dit, on a donné l'exemple des animaux. La famille des mammifères. Alléluia. Amen. La famille de tout ça, ce que tu connais, là, les oiseaux, ainsi de suite. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Je ne suis pas très forte en zone. Amen. Comprends juste que les choses qui représentent ou qui présentent une certaine similitude, quand on les regarde, on voit que c'est le même esprit. Espèce. Ça s'appelle aussi famille. Alléluia, bien-aimé. Amen. L'église aussi, c'est une famille. L'église, c'est la famille des enfants de Dieu. L'église, c'est l'ensemble des personnes sauvées, mises à part pour Dieu. Ça s'appelle la famille de Dieu. Et la Bible nous dit dans Éphésiens, c'est Dieu qui nous a sauvés, bien-aimés, par Jésus-Christ. Il nous a donné accès dans sa maison. Nous sommes devenus les gens de sa maison. Nous sommes devenus concitoyens des saints. Nous qui étions errants, comme des brebis sans berger. Mais en Jésus-Christ, nous avons été récupérés. Dieu nous a ramenés dans sa maison. Et la Bible dit, nous a pris du ténèbre pour nous amener dans le royaume de la lumière de son Fils. Un royaume est une famille. Un pays est une famille. Une nation est une famille. Alléluia, bien-aimé. Amen. Donc, à Éphésiens, la Bible nous montre là-bas comment est-ce que nous avons trouvé un domicile. Comment nous avons trouvé une maison. Et cette maison, c'est la maison de Dieu. Papa, la Bible, les hommes ont passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis Makamba passé, ça veut dire que les choses que nous vivons venant des Écritures, ce sont des choses déjà faites. Yes. Même ce qui va venir arriver là, attends, il ne va pas le faire le jour où tu vas le vivre. C'est déjà fait. Amen. Alors, nous avons trouvé une famille. Nous sommes devenus une famille des enfants de Dieu. Et le Dieu que nous prions était un Dieu de famille. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est-à-dire, il est devenu le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous nous frappons à la poitrine, disant que nous sommes l'Israël de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes la famille de Dieu. Par son alliance avec Abraham, en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Donc l'église, c'est la famille de Dieu aussi. Église, bien-aimé, toi qui es chrétien, enfant de Dieu qui vient à l'église, ne viens pas seulement pour t'asseoir et puis rentrer de la même manière. Il faut savoir que la personne qui se met à côté de toi, à gauche ou à droite, devant ou derrière, c'est ta soeur, c'est aussi ton frère. Et une famille bien-aimée,
mais ce n'est pas quelque chose en pièces détachées. Une famille, c'est un bloc. Une famille, c'est un corps. Le corps est composé de plusieurs parties. Mais toutes les parties du corps travaillent pour un même but. On ne peut pas être une famille et être dispersé. On ne peut pas être une famille et être divisé. Et la division dont nous parlons, bien-aimés, ne commence pas par les paroles. Ça commence au-dedans, à l'intérieur des cœurs. Alléluia. Amen, amen bien-aimés. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. On va plus loin, c'est de l'abondance du cœur que le corps, l'être humain, s'exprime. Alléluia, bien-aimés. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Comprends que ce cela était l'affaire des familles, c'est quelque chose de très très important. Aujourd'hui, nous parlons de nos familles comme étant la source de nos destinées. Quand nous parlons des sources, nous voulons dire origine. Donc l'origine de ta destinée, c'est ta famille. Bien aimé, moi aussi, je ne savais pas. Mais quand j'ai reçu l'information, quand le Seigneur m'a touché par rapport à ça, je reviens pour te dire à toi aussi que ta famille, c'est la source de ta destinée. Tu peux le vouloir, tu peux le refuser. Mais Dieu ne te voit pas par rapport à toi-même. Dieu te voit par rapport à ta famille. Nous avons donné des exemples en ce lieu. Même notre président de la République, ce n'est pas par hasard qu'il est devenu président. Il y a une racine quelque part qui a fait pousser cet arbre-là, qui aujourd'hui a donné des fruits. Il est devenu président parce que sa source, c'est sa famille. Le père s'est battu, le père s'est battu. Tata Bundaki. Mais il n'a jamais eu accès. Kasazwaki libakute. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Mais le fils est venu. Mwanaye. Il a eu accès à la direction Azuliba, de ce pays. Alléluia, bien aimé. Amen. Lorsqu'on regarde Joseph. Tango tozotala Joseph. Bien aimé. Joseph a eu un songe. Joseph a zwa kindoto. Il a eu un songe un jour a zwa kandoto mokolo moko. Où Dieu lui a montré ce qu'il sera dans le futur. Oyo nzamba la kisa ki na kati ndoto wa kozala. Et dans ce songe-là, bien-aimé, Joseph a vu les membres de sa famille. Na kati ndoto wana Joseph a moni bandeko na libota. C'est-à-dire ses parents et ses frères. Wana bandeko na ye. Lui au milieu, ye na kati. Eux en train de se prosterner devant lui. Bagumba mela ki liboso na ye. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Et Joseph, Joseph ne savait vraiment pas ce que ça voulait dire. Mais lorsqu'il a parlé à son père, mais je parie que le père avait compris quelque chose. Et c'est ce qui avait suscité sa colère. Il a réagi négativement par rapport au songe de Joseph. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour renchérir et insister, te dire que ta famille est la source de ta destinée, c'est que même dans tes songes là, quand Dieu te montre ton futur, ce n'est pas avec les voisins, ce n'est pas avec les gens d'un autre village, mais c'est avec les gens de ta propre maison. Alléluia. Amen. Comme quand Jésus-Christ promet aux disciples, lorsque viendra l'Esprit, vous serez mes témoins. Vous allez commencer où? Ici. D'abord, alléluia, bien-aimé. Ce qui veut dire, Dieu ne peut pas te montrer les choses que tu n'as jamais vues. Que tu ne connais pas. Non. Parce que tu ne les comprendras pas. Alléluia, bien-aimé. Il a commencé par lui montrer sa propre famille. Joseph n'a pas rêvé de l'Égypte. Joseph a l'otaki Égypte. On est d'accord. Amen. Joseph n'a jamais rêvé de l'Égypte. Ni en étant esclave, ni en étant libre. Jamais. Mais regarde les choses comment
elles se sont déroulées. Jusqu'à ce que Joseph est allé arriver en Égypte. C'est-à-dire, c'est lui qui constitue, c'est lui qui fabrique nos destinées. Il prend soin. Il prend soin, bien-aimé, d'emmener jusqu'à l'accomplissement ce qu'il avait déjà préparé. Et cette personne-là, c'est Dieu. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 La famille est très importante. Libota, aujourd'hui, on nous a montré le mauvais côté seulement de la famille. Les liens négatifs qui détruisent les vies. Mais on ne nous a pas montré les liens positifs qui bénissent les vies. Mais lorsque nous allons dans la Bible, Dieu, il dit là-bas, il bénit l'obéissance jusqu'à 1000 générations. Mais il punit la désobéissance jusqu'à quatre générations. Bien-aimé, 4 années devant 1000. Pourquoi ne pas parler de 1000? Est-ce que c'est ça qui est beaucoup? Pourquoi ne pas privilégier la chose qui domine? À l'œil nu, on voit clairement. Entre 4 et 1000. 4 vaut quoi devant 1000? Raison pour laquelle aujourd'hui les familles se divisent. Parce que celui-là est sorcier. L'autre là est magicien. L'autre là est méchant. L'autre là est mauvais, ainsi de suite. Mais bien, est-ce que vous savez une chose? La Bible dit que Jésus est venu chez les siens. Quand on parle des siens, ça veut dire quoi? Il est venu dans soi-disant sa famille. Alors, il est venu dans cette famille. Cette famille ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus a changé de côté. Il a regardé carrément à ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu as reçu Jésus, et que tu es devenu enfant de Dieu, tu as donc déjà une famille. Quel est le rapport entre les sorciers qui est à Bandundu et toi ici à Kinshasa? Alléluia. Amen. Tous les gens restés dans la famille, ils cherchent des problèmes pour rien. Il ne m'a pas donné ceci, il ne m'a pas fait cela, il ne m'aime pas, il est contre moi, il n'est pas gentil, il est ceci, il est cela. Mais est-ce que tu sais que Dieu choisit n'importe quel canal pour te bénir? Alors, je vais te dire ce matin, le problème, ce n'est pas le canal par lequel Dieu passera. Le problème, c'est la source. Si la source tarit, le canal ne peut rien. Beaucoup de gens le disent. On ne choisit pas sa famille. On peut choisir les amis. On peut choisir une femme. On peut choisir un mari. Mais sa famille, on ne choisit pas. On se retrouve dedans. On se retrouve dedans. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais puisque tu t'es retrouvé dedans, tu n'as jamais posé la question à Dieu, pourquoi cette famille? Pourquoi moi ici? Pourquoi pas de l'autre côté? Si Dieu n'avait pas de raison, tu ne serais pas dans cette famille-là. Il faut aimer ta famille. Il faut savoir aimer ta famille. Parce que ta famille bien-aimée, c'est ça là-bas la racine du fruit que tu vas manger au lendemain. C'est dans ta famille que cela se trouve. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce matin que ta famille est la source de ta destinée. Ta famille est la source de ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, ma famille est la source, de ma destinée. Ce que je serai demain dépend de la racine qui est ma famille. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oyebi problème na biso ezanine. Ba yebi si biso que na prophète moko yebi si biso que koko na bino asala ba pacte. Akanga mabota, akanga mabala, akanga bota. Suite, nenge toyokaka, nakacha ba famille ebele. Alléluia. Si vous biso totikali na wana, bon, yé avant akanga, azalanga nani. Nzamba tali Jérémie alobi, je te connaissais avant que tu ne sois une masse informe dans le ventre de toi. De ta mère. Je t'avais choisi, je te connaissais déjà. Na yé ba kyo na pona kyo. Est-ce que, nanzambe, na koko, nani ayaka liboso na famille na bini? Alléluia.
Kokwa leki nzamba salini atikali. Nokwa kufi nzamba salinini atikali. Me yoka ngama kaka na makambo kokwa sala na makambo yo noko asala. Alors que de l'autre côté bien-aimé, Jésus a déjà donné sa vie yes, en sacrifice. Pour que tu sois sauvé, que tu sois libéré, délivré. 1 Pierre chapitre 1er, verset 17, nous n'avons pas été rachetés au prix de l'or ni de l'argent, des choses périssables, mais nous avons été rachetés au prix du sang précieux, sang précieux de Jésus, comme un agneau sans tache. La moine n'a pas tout à la bosse. Ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu. Il ne veut plus que tu restes là en train de bouka, kata, bouka, bouka, boma, bakamoto, tombola. Alléluia. Au salaire pendant 40 jours. Oye, toso sambelaka, tombuka, bakamoto, panza, tindika, boka, tindika. Je connais une église bien aimée, basenga bango, bayana bapaou, bayana bakongo, balata noir, noir. Babi lelo tozo timo la pe tozo kunda ba inemi na biso. Po histoire na bango esila. Me bien aimé histoire na bango esila kite. Ba timo la ki. Ba bendi. Ba kundi. Ba zipi. Ba zongi nandako. Ba ye le lendemain. Ba lobi na bango to buaka moto. To buaka moto. Bango na biso bazika. Me to sito kundi bango. Bazika susu. Nengeni. Est-ce que toko longo la koina na mitema na biso? Ce qui fait que nous ne soyons pas bénis, ce n'est pas parce que les sorciers existent dans nos familles. C'est parce que nos cœurs sont prédisposés à recevoir le mal que les bangouna sont en train d'envoyer. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Le bananga, ça doit changer. Ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Ma changer. Famille doit être délivrée. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Il y a aujourd'hui, bien-aimé, nous avons dit au moins trois types hein, de familles. Nous avons parlé de la famille nucléaire. Dans cette famille, il y a l'enfant qui vit avec ses deux parents. Ils peuvent être mariés ou non. Il y a la famille monoparentale. Là-bas, l'enfant vit avec un seul parent, c'est-à-dire soit la mère, soit le père. Il y a la famille récomposée. Là-bas, cette famille-là, c'est l'homme qui vient d'un mariage. Il peut être veuf, il peut être divorcé, mais il a des enfants. La femme vient aussi d'un autre mariage. Elle peut être veuve, elle peut être divorcée avec d'autres enfants. Enfants, ils viennent, ils se mettent ensemble, ils se marient, et c'est cette famille qu'on appelle famille récomposée. Même s'il arrive que l'homme avait des enfants et que la femme n'a pas d'enfants, ils se marient, c'est quand même une famille récomposée. Alléluia, bien-aimé. Amen. Est-ce que tu me comprends? Famille récomposée. Les familles Oyo. Moi si aoutina bana koto mobali aoutina bana koto ba yeba balani ba sangisi bana na bango donc ba récomposer eza composer te mais récomposer. Alléluia. Alléluia. Amen. Na mwa mtu moko azota langa bien o makambo penze za important elo ba mana église mais lo ezo bomo yango ti we ezo bomo ti le lo balité za makambo na. Parce que tu n'as pas compris les choses. Ta marâtre est devenue ton ennemi. Alors que c'est le diable qui est en train d'agiter les choses derrière elle. Et elle agit d'une certaine manière. Alléluia. Le mari de ton père agit, de ta mère plutôt, agit d'une certaine manière. Parce que le diable veut que tu te retrouves dans le cas la rata bino na divorce. Oya liboso. Aïe, si quoi, au quota, la foyer a mis balé. Parce que tu n'avais pas compris. Maman, tu as quitté.
Ndokinde tata wana ton ndokinde mama wana alors que c'est le diable qui vous combat. Amen. Famille récomposée en Guana. Il y a aussi la famille adoptive. Les gens qui ne sont pas eus biologiquement, ils te prennent, tu deviens leur enfant. Et cette famille est devenue ta famille adoptive. Ça peut ne pas être une femme et un homme, couple. Non, ça peut être un monsieur, ça peut être une dame qui te prend quelque part, comme dans l'église, comme ça. Une maman te regarde, hein, il trouve que tu es un bon garçon, tu es une bonne fille. Il dit, dans ma maison, j'ai de la place. Elle te prend, elle t'emmène chez elle. C'est ta famille adoptive. Alléluia, bien-aimé. Ça peut se passer aussi au niveau de l'État. Quelqu'un va déclarer au niveau de la justice. J'ai pris cet enfant dans la rue. Il l'emmène, il lui donne un nom. Il fait de cet enfant son enfant, officiellement parlant. Alléluia. Et l'emmène chez lui, à la maison ou chez elle. Et on a dit que la famille est fondée traditionnellement par le mariage entre un homme et une femme. Alléluia. Amen. Et de ce couple sont issus les enfants légitimes. Il y a beaucoup de combats dans certaines familles. Le père est décédé, il y a des tantes qui se lèvent pour prendre ce que leur frère a laissé. Ils se retrouvent au tribunal en train de faire des va-et-des-vient pour chercher à récupérer les biens de leur papa. Vous êtes des enfants légitimes et vous êtes censés avoir ce qui vous revient de droit. Mais vous n'êtes pas censé vous battre. Alléluia, bien-aimé. Quand je parle de se battre, c'est de la façon négative. Quand ça devient Oya ke simba kisi, Oya bo ke liembasu, Oya kangie munoko na eloko songolo. Mususu abi okolia mbuma. Alléluia. Amen, bien-aimé. Là, ça devient mauvais. Mais ce qui appartient à votre père vous appartient, vous revient de droit. Parce que vous êtes ses enfants légitimes. Amen. Amen. Et le but de la famille dans la société, la famille reste cette cellule essentielle, la cellule de base. Amen. Amen. Alors, l'enfant doit y trouver l'amour. L'enfant doit y trouver le soutien indispensable à son développement et à son équilibre. Ce n'est pas dans la rue que l'enfant va trouver le soutien. Ce n'est pas dans la rue que l'enfant va trouver de l'amour. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on prend la décision de devenir parent, on doit en même temps aussi prendre la décision d'être responsable. Ne laissez pas les enfants aller à gauche et à droite. Tu peux être parent, comme on l'avait dit ici. Tu prends ta charge parentale d'une certaine manière. Mais tes enfants, tu les laisses à des tantes, à des oncles pour les élever. Et bien aimé, après, tu as besoin de voir ton image à ces enfants-là. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Même Jacob, bien aimé. Quand il a voulu avoir des brebis tachetées, des brebis rayées, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des feuilles là où ses brebis venaient pour s'abreuver. À force de regarder, à force de voir, à force de vivre avec, ils ont accouché des brebis tachetées et rayées. Tu es d'accord avec moi, non? Et puis le besoin à réclamer. Vous n'êtes pas comme vous, vous êtes comme la famille de votre maman. Eh bien, c'est normal parce que les enfants ont grandi avec leur oncle maternel. C'est ça la figure paternelle que les enfants ont eue. L'oncle maternel. Et ils sont des. L'oncle maternel. C'est tout à fait normal. Très souvent, bien aimé dans les familles, ce sont les papas qui ont ce genre de comportement qui n'aident pas au développement des enfants. Les choses que je suis en train de dire, très souvent, les papas réclament les choses qu'ils n'ont pas données.
Quand on ne donne pas, on ne réclame pas non plus. Commence par donner et puis tu viens réclamer. C'est comme ça que le pasteur Mohamed Sanogo a dit, un père qui est homme d'affaires, qui travaille, il est tout le temps parti. Quand sa femme et les enfants disent, mais tu es tout le temps parti, tu n'es jamais avec nous, tu nous laisses seuls. Il dit, mais comment on va faire pour payer cette maison? Mais je sors pour chercher de l'argent pour vous. Si je ne sors pas, comment vous allez manger? Et le pasteur a dit, il faut savoir, cher homme, cher papa, homme d'affaires, avec beaucoup d'argent que tu as, l'homme ne pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Un enfant a besoin de l'amour. Il a besoin du soutien. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui lui sert pour son développement personnel. Quand il lui manque l'affection, quand il lui manque cet amour, il est difficile pour qu'il soit une bonne personne dans la société. Amen. La famille Libota a des fonctions. Le rôle de la famille. Tinatope musala ya Libota. Alors, nous avons parlé de cette fonction de procréation, de cette fonction affective, de la fonction de protection, de la fonction de socialisation. Et ce qui a retenu nos pensées, c'était la socialisation. Parce que la socialisation, c'est l'ensemble des mécanismes par lesquels les individus, ils font l'apprentissage des rapports sociaux entre les hommes. Et c'est par là qu'ils assimilent les valeurs, qu'ils assimilent les normes et les croyances d'une société. Amen. Amen. C'est comme ça que facilement, un enfant qui a grandi dans une famille musulmane, une fille, tu la vois couverte. Elle grandit couvert. Elle grandit couvert. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a vu. C'est ce qu'elle a compris. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Ozolanda nga bien, hein? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les Bakongo font, excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils font pour que même Oyo abotami na ville azala kaka ne loko wane zakana kati na wango? Comment les Balouba font pour que même celui qui a grandi en ville, alléluia, bien aimé. Amen. La socialisation vous permet, bien aimé, d'avoir des bonnes relations humaines. La socialisation vous permet de savoir communiquer, échanger. Figure-toi que Outiba Congo, Okena Kasai, Okomikuna, Bazolo Belati Bao, O Soso Yabakishi, O Eloko Boe, Yo Yebian Ote. Mais Baebisio Salanini, Olia Yango. Tu ne vas pas commencer par manger, il faut commencer par chercher à apprendre. C'est ce que ça veut dire, hein? C'est quoi? Parce que tu risques d'entrer dans une chose qui va compliquer ton futur. Amen. Amen, bien-aimé. La socialisation, c'est l'ensemble de ces mécanismes-là qui permet à chaque individu de faire cet apprentissage des rapports sociaux. Les rapports sociaux. Les rapports sociaux incombent le savoir-vivre, les bonnes manières. Alléluia. Connaître la coutume, la tradition, toutes ces choses. Et je disais l'autre fois qu'une bonne famille, une bonne famille, ce n'est pas celle dans laquelle tout est fondé sur l'amour, plus que le devoir. Ce n'est pas cette famille où tout est fondé sur le plaisir, plus que sur les contraintes. Amen. Amen. J'aime beaucoup mon enfant. Et bien, il y a un point qui est comme si il était têtu. Les enfants gâtés. Un enfant impoli qui ne respecte personne. Hé, vous avez été.
Oui, passe on a mon apona bimisa mo mona qui passe pour bimisa ya bimina mukil. Ti kayé azala mutu ya normal. Azala mutu ya bien songaye éduqué et malam. Alléluia bien-aimé. Ote ye basimba kete moi na nga lisu moko. Lisu moko. Même Bible lobi lisu ezo même on a lisu mosani. Ah, ya za lisu moko. Azali sou moko na yo, ou roti ka l'aveugle un jour. J'ai appris dans la psychologie de l'enfant qu'un enfant qui grandit sans qu'on ne puisse lui montrer ses limites, cet enfant devient un problème dans la société, dans le futur. Et lorsqu'il commence ses problèmes dans la société, il commence par ses propres parents. Le jour où son père ne lui donne pas ce qu'il avait l'habitude de lui donner, c'est ce jour-là qu'il va dire que son père est sorcier. Le jour où sa maman ne fera pas ce qu'elle avait l'habitude de faire pour lui, c'est ce jour-là que sa mère devient une sorcière. J'ai appris dans la psychologie de l'enfant bien-aimé. Excusez-moi, je vais le dire. Cet enfant qui ne fait que avoir des constipations, il a même des difficultés à donner aux autres. Je parle de la psychologie, pas de la divinité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa dit rien aussi. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alors, dans l'éducation de l'enfant, il faut faire attention à tous ces petits trucs-là. Il faut suivre. Parce que moi, j'ai vu un enfant qui a grandi comme ça et qui a aussi des difficultés de donner. Mais je suis en train de parler de la psychologie et non de la divinité. Mais attention, ça peut marcher ensemble. Ça peut marcher ensemble. Alléluia. Amen. Le rôle des parents, c'est que les parents ont pour tâche d'élever et d'éduquer les enfants, les préparer pour la vie adulte. Par exemple, quand tu dis à ton enfant de ne pas insulter, de ne pas être impoli, tu penses à quoi? Alléluia. Amen. Tu penses à quoi? C'est pas pour le jour où tu lui dis, c'est pour le lendemain que tu lui apprends ces choses-là aujourd'hui. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et les parents, vous êtes censés le faire. N'allez pas dans les adages qui disent tout le temps, oh, moi, je suis un nino. Hein? Je suis un moto, je suis un zika. Je suis un zika. Et c'est les mêmes personnes qui ont dit encore, ceux qui m'ont tout mis d'ago, boutique n'a qu'à ta moto, t'es si tout ça n'est pas. Alléluia. Non, apprends à l'enfant que ça c'est le feu. La qui ne touche pas. Amen. Amen. Oh non, il y a des choses taboues. Tu sais, nous, nous sommes les Africains. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des choses qu'un papa ne doit pas parler avec ses filles. Qu'une maman ne doit pas parler avec ses garçons. Si cet enfant n'a que ce papa-là, si cet enfant n'a que cette maman-là, il fait comment cet enfant? Bien aimé, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour te révéler une chose, que nous sommes allés très loin alors que la chose que nous cherchions était ici devant nous. On ne peut pas chasser les démons qui n'existent pas. Lorsqu'on se comporte mal, nous laissons la porte de l'âme ouverte. Et quand la porte de l'âme est permanente, de façon permanente, ouverte, bien aimée, cela permet à l'ennemi qui rôde autour de nous d'entrer dans nos vies. Tu as marché dans la colère. Tu as grandi comme ça. Et les membres de ta famille te disaient, tu ressembles beaucoup à ton père. Tu es colérique comme ton père. Et quand on te le disait, tu trouvais ça normal. Tu continuais à amplifier la chose. Tu te fâchais pour un oui, pour un non. Mais tu ne sais pas. Quand Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 5, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. Puisque tu n'as pas fait passer la colère. Le diable a une porte d'entrée dans ta vie.
À 16 ans, tu sors avec les maris d'autrui. À 18 ans, tu sors avec les maris de votre voisine. À 20 ans, tu as deux hommes que tu es en train de combiner. Toi-même, tu sais comment tu les gères. Mais lorsque tu atteins 22 ans, toi là, tu es à genoux. Seigneur, donne-moi mon mariage. Et puis demain, on programme la prière des combats. Et toi, tu viens là. Je brise les célibats. Je brise les célibats. Picola. Bible et lobby. Toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Commence par chasser l'impudicité dans laquelle tu as grandi. Amen. D'abord, il y a un pasteur à Tom Salobaki. Mélana tricherie, tire aux yeux diplôme d'État. On continue à l'université, on continue à la chida, on continue à la combine, on continue à la cambale lingue, on a collation de grades, on pose à la carte. On s'y lit si c'est cool. Ok, Luka Moussala. Moussala est zoyate. On dit quoi? Quand le diable donne à droite, il fait quoi? Il récupère, hein? On va passer dans le bouc à mon bal. Comprendre, hein? Les diplômes que tu as, c'est les diplômes de Satan. Mais le travail va te bénir, il ne voudra pas. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ça, là, ça procure de l'abondance. Il ne peut pas te laisser te procurer de l'abondance. Parce que... Non, ça ne va pas tenir. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Il faut que tu commences par te séparer de la tricherie. Quelqu'un me regarde et dit, « N'a qu'il y a de la classe, n'a pas de diplôme. » Si on ne commence pas par le commencement ne sera pas commencement. Ce qui te bannit les banalités, bannit les causes les banalités. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Oyemo remenga ozu musala. Oyebi yomo konenga ozu musala wana. Nenge ni nyobi magina patron wana pozo musala wana. Nenge ni komi habitude nayo. Nenge ni omesani nango, komo bona ke ah. Ah, bah, fongole ni vodacom, na okene go, na oza boulo. Yomoro yebi, nenge ni oko sal. Parce que mesa na ko sal a bongo. Mais quand tu viens à l'église, tu vas chasser quel démon? Dis-moi un peu. Commence par le commencement. Bandane, bandé. Alléluia. Commence par le commencement. Bandane, bandé. Alléluia. Amen, mon anzambe. Amen. Mon ensemble baza ou amen. 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 Le rôle de parent. Tine baboti. Yangwana to lobi. Osunga mwana kola bien. Très souvent nous voyons ba parents nena loba kiawa. Ozo sala, ozozo oyebi ke oza parents ya bana wana. C'est-à-dire, toi, ton travail, c'est d'aller laisser l'argent. Tu laisses l'argent pour les frais scolaires, tu laisses l'argent pour la nourriture, tu laisses l'argent. Ah, vous allez sortir le samedi. Ok, je vais envoyer quelque chose. C'est tout ce que tu as à faire. Mais la personne qui élève les enfants, c'est la petite sœur, c'est la grande sœur, c'est la tante, c'est l'oncle, hein? C'est la mémé, c'est même la bonne. C'est les domestiques. Je connais des enfants comme ça à la Gombe là-bas. Papa tellement qu'il est toujours absent. La figure paternelle que les enfants avaient, c'est le domestique. C'était même pas le domestique, la sentinelle. Ou le gardien, on va l'appeler comme ça. Tout ce que cet enfant voulait faire, qui consiste les garçons. Il va chez le gardien, il pose la question. Et quand il pose la question, lui l'emmène aussi dans sa connaissance erronée de la chose. Et du coup, l'enfant était devenu déjà une autre personne que sa maman et son papa ne connaissaient pas. Mais le lendemain, lorsqu'ils étaient en train de se rechercher dans cet enfant, ils n'ont vu aucune partie d'eux dans cet enfant. Alléluia. Amen. Les feuilles, les brebis, le regard. Il n'a vu que ça. Il n'a
eu que ça comme éducation. Pour le père, c'est que la voiture est là. L'enfant part en voiture à l'école. L'enfant ne met pas son pied à l'extérieur sans la voiture. Il s'habille bien. Il va même en vacances en Europe. Mais je te dis, il y en a aujourd'hui qui sont chauffeurs des gens. Mais qui avaient des pères ministres à l'époque. Qui avaient des pères PDG à l'époque. Aucune image de PDG ni de ministre n'est entrée dans ces enfants-là. Alléluia. Savoir éduquer les enfants sont... La Bible dit quelque part que les enfants sont des flèches que nous lançons dans les futurs. David n'a pas lancé une flèche pour faire tomber Goliath. David a lancé une pierre qui a touché Goliath et Goliath est tombé, bien-aimé. Je veux te dire ce matin, ça dépend de la chose qui se trouve dans ta pensée. Quand Jacob avait mis les feuilles là, ce qu'il y avait dans sa pensée, c'est ce qui s'est réalisé. Alléluia. Amen. 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 Tout ce qu'on a nous fait, quand il y a des démons, il va dans un homme tranquille, portez-le à Rokanga. Amen, hein? Bisona kana biso peto se prepare nanu to bonga banano to bongisa na makambo eza mabe ozabiza eli mabe olobaka mabe olimba bala yo ndenge ni hein ozilunya kokanga olimba sepela na yo ndenge nini ata meti so yaza eloka elongi ya kokanga za tina te c'est pas parce que yaza pemene bakobale kaka. Il faut qu'il y ait quelque chose aussi qui attire. Toujours, il y a un appart. Et Seigneur, vous allez l'eau comme vous allez couper la pénza. Alléluia. Amen, bien-aimé. Il y aura l'église, il y aura un mot tout vous avez l'église, vous avez raté l'éducation dans l'endroit, vous avez raté peine à l'église. Comme il y a un babylon à l'église. Vous avez un bout. Vous avez un bout pour un babylon à l'église. Ah, vraiment. La socialisation. Tu as raté quelque chose quelque part. Les tentes, c'est bien. De temps en temps, les enfants peuvent aller visiter les tentes. Ils peuvent aller visiter les oncles. Mais au Kosundo, la banana yote basala élevé na batante wana. J'ai parlé l'autre fois en disant l'éducation et l'élévation sont deux choses différentes. Mais l'éducation se retrouve dans l'élévation. Alléluia. Celui qui élève, c'est celui-là qui prend soin et de l'âme et de l'esprit et du corps. Et figure-toi que la personne à qui tu as laissé les enfants pour qu'ils puissent élever ses enfants soit occultiste. Au niveau de l'esprit, qu'est-ce qu'il va transmettre? Toi, tu penses que celui qui est occultiste va te dire que moi, je suis moi personnellement qui te prêche ici, là. Moi, j'avais une tante qui était à la Maïkari. Comme j'aimais, elle aimait se promener avec moi. Même quand elle allait pour prendre sa lumière là, le soir. On appelle ça, aller prendre la lumière. J'étais avec elle. On arrive dans la parcelle en question. On me donne une chaise là-bas à côté. Eux, ils sont là en train de faire leurs gestes là-bas. Ils sont là en train de faire Est-ce qu'elle a déjà dit ça à ma mère? Quand tu bimi boye na quelle lumière? Ngana sambela na maikari. Allo bakango. Même temps abongo limotema. Allez qui na télévision azo pe sa témoignage na ye. Bras droit ya maman Hollande à l'époque. Quand elle donnait son témoignage, elle n'a fait qu'accuser sa famille. Attendi ka bando ka famille, elle n'a pas cité. On a suivi ça du début jusqu'à la fin. Elle n'a pas parlé de son passage chez les Maïkari. Mais maintenant, c'est cette personne-là qui m'avait comme ça. Vous imaginez ça, hein? Tu laisses tes enfants
entre les mains d'une personne qui vit cette vie-là, qui fait ce genre de choses, parce que seulement toi tu es occupé. J'ai une personne bien-aimée qui elle aussi elle travaille à vraiment dans mon titre à bien ce cas ça. Je lui confie à une personne, il avait besoin parce qu'il a changé de commune. Il avait besoin de l'inscription de ses enfants. Je lui confie à une personne, comme elle est tellement occupée. C'est une femme occupée. C'est une femme qui n'a pas de temps pour ses propres enfants. Elle prend de son argent, 1600 bonnes dollars. Il donne à une personne pour qu'il paye les frais. Pour qu'il inscrive, pour que la personne inscrive ses enfants et payer aussi les frais scolaires pour les enfants. À 3 semaines de la rentrée, les enfants rentrent, on nous a chassés. On n'a pas de tenues de gymnastique, on n'a pas de journal de classe, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Elle part à l'école, elle trouve que sur les 4 enfants qu'elle avait donnés, 3 sont dans la même école. Un autre, la personne s'est permis d'aller inscrire l'enfant d'autrui à une école qui n'était pas le choix de ses enfants, de leurs parents. Et l'argent qu'il devait payer, il n'a pas payé. Vous l'argent, ce n'est pas la finalité. Alléluia. Amen. Amen. Oh, balataka fort. Est-ce que Milimo na bango ezo lata? Est-ce que Baham na bango ezo lata? Alléluia. Amen. So botina noté, calculez bien. So moniro okoka makambo na olo bate oyo, kubota te. Tika bana bat bavande pa nzambe. Ce qui est boti bango te nzamba otine la bango otine bango pas son super robot ta makaka. Alléluia bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu vois un peu ces choses là? On a l'argent, tu vois les parents qui sont bien habillés quand tu regardes leurs enfants. On dirait ba construction, ba boy maçon. Au cas où moi on a eu à mobile ici qui combien de fois par mois. Manzaka, au cas où matoi naé, au tchakango tige coton. Ah tu vois hein? Ah mais j'ai vu un homme marié bien aimé, ça m'a écœuré. Ça me fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Quand tu regardes ses orteils, le tour là des ongles de ses orteils, noir, salité. Mais c'est un homme marié. Azam, on va le abala. Et chrétien. Et mon Christ. Et qui prie en langue comme pas possible. Et qui connaît des versets. Un évangéliste. Hein, tu vois, hein? Après, c'est les démons que vous accusez. Non. Et c'est démons qui ont salité dans ma cour. Démons botoli au savon. Démons botoli au manioukwa. Démons pékissi au kota na cosmétique. Au somba ba produit à retien dans ma cour. Alléluia. Ah non, non. Tout ce qui est quand on a au bongo, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Alléluia. Amen. Et puis, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Pour la nini, il y a des gens qui ont des gens. Morale, il y a des gens. Mabé pour nanini parce que a raté socialisation. Mécanisme nyoso ya bon rapport entre yé na bato. Ezate. Omoni moto amati, tunanga mati likolo nanini. Amati likolo a 100 dollars. Avimbi koleka farino batie, levu. 100 dollars kaka e vimbi siye. Éduquer les enfants en leur faisant comprendre, bien aimé, que l'argent n'est pas un maître, l'argent c'est un serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Et la Bible nous dit hein, d'instruire nos enfants selon quoi? Selon la parole de Dieu. Ensemble. Super. Vraiment, naïvité. Oui, bien que complexe, mais boma, batebele. Yo kanisi mwana wana so akoti maternel makambo yo zo laxi na ndako na koye ko langote me na kati ndako ezana makambo yo foye ko lisai okuti mwana batalo baka français komi yo lo ba français te lo ba lingala te po anini quand même ozana est-ce que ça obligé lingala les langage ya ce qui langue ya proximité ko ye ko lango kaka tana wenze ao kaka lingala osalobisha somba biloko osomba ngona munoroni alleluia oyo lo ba français te balaksa lo ba lingala te balaksa ko lingala te pona nini balaksa ko lingala te pona nini ah bien aimé il y a des choses dans la maison hein que nous sommes censés apprendre à nos enfants au sein de la maison. Si on a toutes nos questions, moro. Nani a ébichon que bato baliara na mbeli na fourchette zaga mikolo. Ozo beta mon ambata na. Tika aussi ma fourchette na. Tika aussi ma mbeli wana. Biloko ba mikolo ba lelaka. Alléluia. Tala yo wana na kurdan. Kurdan za wati. Alléluia. Il y a encore des choses au salon. Bon, moi, dans le salon, on t'aime. Hein? Eh bien, on y est. Molière, hein? Mangouane. Molière, t'es Molière. Alléluia. Amen. Il y a un amour. N'a même pas un abattu. Est-ce que tu sais, même dans les films et les séries que nous regardons, nous le voyons. Pourquoi une personne qui est à table avec les gens, il s'excuse pour se lever, aller aux toilettes. C'est justement pour faire tous ces genres de choses. Aïe bien moi que minu ne toboka. Si on parle longola bien, il faut pena fungola mno. Mais moyen fungola mon ami soit bateau et zate. À s'excuser à telemi à ken à toilette. À fungoli mno wa longoli biloko zo tungise na mino. Neti biloko wana mona koye ko longona école maternelle ko ne pas madame na bango alobaka. Ti dors, ti dormais et ti alléluia. Amen. Et nous sommes en train de rigoler, c'est très bien d'ailleurs. Mais nous devons savoir que ce sont des petites choses pour lesquelles aujourd'hui les gens chassent les démons. Parce qu'il est allé, une personne l'a regardé. Beautiful girl. Alléluia. Elle a dit qu'il toko. Mettons à pousser, ni quand elle l'a dit, elle a dit qu'elle a dit qu'elle a la quinoise. Elle a dit déjà moutou. A moni poté na yewana nyoso, pamba. A tiango de côté. Mi balé, mi satu ya mine. Nga vraiment. Bala tisinga masque de vieilleté. Ozana masque de vieilleté. Mounoko nonde. Mounoko na yo. Oye kolite et lobeli ya malamu. Ozana masque de vieilleté. Nanyango kouta bimisa bakamona. Ezara wapi na verse ni ni masque de vieilleté. Na verse ni. Bien-aimés, nous avons été délivrés des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. Le Christ, lorsqu'il est venu, on l'a reçu. Il a coupé le cordon qui nous liait de nos familles. La chose qui pouvait faire passer la malédiction venant de ta famille vers toi, ça a été coupé. Le canal est bloqué. Zela et Kabouani. Pourquoi tu vis comme des païens? On a parlé l'autre fois de Mephibosheth. Mephibosheth. Mephibosheth, le fils de Jonathan. Mephibosheth, moi, c'est Jonathan. David a fait son alliance avec Jonathan, pas avec Mephibosheth. David a fait son alliance avec Jonathan. Mais pendant que on a pris tous les perclus, batonne sur Babouka na Makolo, batie bango en dehors de la ville, pour na Israël, c'est l'homme ibé qu'on a bâti, on a bâti la kelimabé. Batie batouana en dehors de la ville.
Parmi ces gens, Mephibosheth était là-bas. Et pendant ce temps qu'il passait là-bas, ici David cherchait quelqu'un de la famille de Jonathan pour lui faire du bien. Alléluia. Amen. 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 Amen, bien-aimé. Amen. Dis après moi, j'ai une destinée. J'ai une destinée. Dis-le bien, j'ai une destinée. J'ai une destinée. On va y arriver. J'aimerais que nous puissions lire quand même la Bible. Hein. Nombre chapitre, nombre 1, 2 à 3. Nombre 1, et puis Deutéronome 16, verset 16. Deutéronome 16. La Bible dit, Bible. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la terre, la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Selon leur famille. Selon les maisons de leur père. En comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans. Et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division. Toi et Aaron. Deutéronome 16. Verset 16. Trois fois par année. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. J'aimerais que tu soulignes cette phrase. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Trois fois l'année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Bien-aimés, on nous parle ici des mâles que Dieu convoque dans sa présence. Chaque année, à toutes les fêtes, les mâles devaient se présenter. Mais la Bible dit que ces mâles-là ne devaient pas se présenter main vide devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils étaient censés apporter une offrande. Alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons dans Nombre, là-bas aussi on parle des mâles, mais les mâles de chaque tribu, les mâles de chaque famille qui devaient se présenter devant Dieu. Et Dieu bénissez les mâles qui venaient dans sa présence. J'aimerais commenter en disant, bien-aimé, que le mâle, en principe ici, c'est au masculin. Mais selon la révélation, la pensée de Dieu aujourd'hui, ce mâle dont on parle ici, ce n'est pas un garçon ou un homme. On parle d'un leader. C'est-à-dire, chaque famille a un leader. Chaque famille devait avoir quelqu'un qui devait se présenter devant Dieu. Et ce leader qui se présente devant Dieu ne devait pas venir main vide. Il devait apporter quelque chose. Et je dis à une personne ce matin, le
leader qui a été convoqué de chaque famille. C'est toi qui se trouve ce matin en ce lieu. Tu es le mal. C'est toi le mal que Dieu a convoqué. Ce mal prend le sens de cette personne courageuse, de cette personne, je dirais, audacieuse, de cette personne déterminée, de cette personne qui veut prendre le poids de la charge de sa famille. Il le porte devant Dieu. Il ne le porte pas devant les hommes. Il ne va pas pour les songi songi. Il ne va pas pour les kotonga libota naye. Mais il y va pour offrir à Dieu sa famille. Et Dieu à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit ses mâles. Il bénit ses mâles. Il bénit ses mâles. Et lorsque ce mal rentre dans sa famille, il ne rentre pas tel qu'il était parti. Il rentre avec la bénédiction. Il ramène la bénédiction au sein de sa famille. Bien-aimé, pendant ce mois d'octobre, Dieu te convoque. C'est toi le mal de ta famille. C'est toi le leader de ta famille. C'est toi qui es censé mener la danse dans ta famille. On dit que le chrétien, c'est la sentinelle de Dieu placée dans chaque famille. On dit que Dieu nous parle à nous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous sommes les personnes censées être avisées par Dieu. Habakkuk était à la tour, pas pour son compte à lui, mais pour le compte de sa famille, pour le compte de la nation. Il dit, j'attends voir ce que Dieu me dira. J'entends vous, j'attends voir ce que Dieu va me dire. Et quand Dieu vient, il retrouve Habakkuk toujours à son poste. Dieu lui parle. Il lui dit, tu sais Habakkuk, les prophéties dont on parle là, ce sont des prophéties pour lesquelles les temps sont déjà fixés. Les temps sont déjà fixés. Mais pour ta famille, il y a un temps qui est déjà fixé. Un temps où on va essuyer les larmes. Un temps où les choses vont changer. Un temps où la bénédiction doit arriver. Un temps où les choses doivent revenir à leur place. Le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Mais le problème est que il n'y a personne à la tour. Tu dois monter à la tour pour que Dieu te parle, pour que Dieu te dise ce qu'il veut faire de ta famille. C'est comme ça, bien-aimé, quand Jacob voulait écouter Dieu, il n'a pas emmené toute sa famille. Il n'a pas emmené ses femmes. Il n'a pas emmené les serviteurs. Il les a fait passer les torrents. Il est resté seul de l'autre côté. Il a cherché Dieu toute la nuit. La Bible dit qu'il a prié. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec un homme. Et cet homme lui dit à un moment donné, mais laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Le matin va arriver bientôt. Bien aimé dans le Seigneur. Cet homme ne l'a pas laissé. Il a dit, tu sais toi, tu as combattu avec les hommes et tu as vaincu. Et là maintenant, moi je t'ai brisé la hanche. Tu ne m'as pas laissé tomber. Tu ne m'as pas laissé partir. Tu as encore lutté avec moi et tu as vaincu. Donc à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus le même nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom a changé. Tu es devenu Israël. Mais attends, bien-aimé, il n'est pas devenu Israël pour lui. C'était pour Rebecca. C'était pour Rachel. C'était pour Léa. C'était pour ses serviteurs. C'était même pour Esaou qui les poursuivait. Esaou a mené Kolandaï. Aujourd'hui, on n'appelle pas les Juifs, le peuple d'Abraham. On n'appelle pas les Juifs, le peuple d'Isaac. On n'appelle pas les Juifs, le peuple de Rebecca. Quoique dans le ventre, Dieu a dit à Rebecca, il y a deux nations dans ton ventre qui se battent. Le dernier ou le cadet sera plus fort que l'aîné. Et lorsqu'ils sont sortis, elle ne savait pas par quelle voie. Elle ne savait pas comment bien aimer. Mais regarde comment s'est fait les choses. Parce que je viens de dire, la famille est notre source de destinée. C'est dans la famille, la maman de Jacob agit à Jacob.
Jacob. Tu n'iras pas à la forêt. Tu vas prendre ce qu'il y a ici. C'est ce qu'on va préparer pour ton père. C'est ce mets de la maison qu'on a préparé pour le père. Après qu'il ait mangé, le père s'est relevé. Le père a commencé à bénir. Oh, quand le mal se présente devant Dieu, la bénédiction s'ensuit. Quand le mal présente devant Dieu, la bénédiction s'ensuit. Isaac a béni Jacob. Mais regardez Jacob qui était béni. Il sort en train de courir, en train de fuir, de s'enfuir avec la bénédiction qu'il avait reçue. Celui à qui la bénédiction était destinée, Esaü. Il n'avait rien. Il revient à son père pour lui dire: n'y a-t-il pas une autre bénédiction pour moi? N'y a-t-il pas une autre bénédiction pour moi? Le père le regarde, il dit: il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et vous savez pourquoi? Il n'y a pas de mal dans chaque famille. Même quand la manne descendait dans le désert, la manne descendait, ce n'est pas tout le monde qui sortait. Un seul sortait. Le leader. Le leader, le mâle de chaque famille sortait pour aller ramasser. Il ne ramassait pas pour lui seul. Il ramassait pour sa famille. Lorsqu'il fallait explorer Jéricho, on a choisi. En une manière, on les appelle les princes de chaque famille. De l'autre côté, on les appelle les mâles de chaque famille. On en a pris 12 bien-aimés. Ils sont partis pour explorer. Les 9 avaient un avis contraire que les 3. Il y avait Caleb, Josué, et l'autre nom, c'est quoi, j'ai oublié. Alléluia, il y avait 2. Alléluia, bien-aimé. Caleb et Josué avaient un avis positif. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont commencé à parler de ce pays. Voici ce qu'on a vu. En tout cas, on ne peut pas. Sinon, on va nous écraser. Ce n'est pas un endroit où nous devons aller. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand Caleb et Josué ont ouvert leur bouche, c'était pour dire des choses qui allaient fortifier, qui allaient consoler, qui allaient poussé à ce peuple d'aller vers Canaan, qui était la terre promise. Oh bien-aimés, écoutez, ils ne sont pas rentrés mains vides. Les mâles ont rapporté des fruits. Un signe de nourriture. Quand le mâle se présente devant Dieu, il ne rentre pas main vide. Il ramène la nourriture. Voilà pourquoi Jésus avait dit: il faut manger ma chair. Il faut manger ma chair. Car Jésus, lui, ne va pas cueillir les fruits. Mais lui-même, il vient comme le repas. Il vient comme le repas. Il a donné sa vie. Le véritable type de mal, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Oh, si tu veux suivre nos voies, Jésus te dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui veut voir le Père. Passe d'abord par moi. Tu es le mal de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. Pendant tout ce mois d'octobre, tu vas lutter avec Dieu. Tu vas lutter avec les hommes. Et ton nom doit changer. Parce que la fin de la chose, c'est quoi? Nous devons atteindre notre destinée. Pour que l'homme atteigne sa destinée, la première des choses qui doit changer dans sa vie, c'est son nom. Le nom doit changer. Parce que la personne avec qui nous luttons, la personne avec laquelle nous luttons, c'est cette personne-là. Lorsque tu luttes contre lui, ou lorsque tu luttes avec lui, cette personne bien-aimée, il commence d'abord par te changer. Il te brise pour enlever tout ce qu'il y avait de toi, pour faire tomber ton orgueil, pour faire tomber ta connaissance. C'est comme ça, bien-aimé, il a sorti Moïse de l'Égypte. Il a ramené chez Jéthro. Il le rencontre chez Jéthro. Il le ramène en Égypte. Là-bas, c'est pour sortir les autres de l'esclavage. Une autre image du mal. C'est Moïse, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toi qui as l'habitude de dire. D'ailleurs, Koutou, nous sommes là pour la bango, mais nous sommes là pour la bango.
Bien-aimé, je laisse-moi te dire, il y a plusieurs familles qui souffrent. Et ça, ma beauté, qui souffrent de la jalousie. Qui souffrent de la haine. Qui souffrent de beaucoup de choses, de la pauvreté même. Mais toi, en tant que mâle, quand tu te présentes devant Dieu, tu emmènes la précarité de ta famille. Tu emmènes la souffrance de ta famille. Tu emmènes toutes ces choses qui ne marchent pas dans ta famille. Et quand tu emmènes, tu ne fais plus attention à ces choses. Tu fais attention à la personne à qui tu donnes ces choses. Tu fais attention à la personne à qui tu déposes ces choses. Et cette personne, il te prendra toute cette charge. Il te prendra toute cette... Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Je vous déchargerai et je vous donnerai du repos. Tu es chargé pourquoi? Parce que ton mari t'insulte. Parce que ton mari ne t'aime pas comme il faut. Parce que ton mari ne te donne pas ce que tu demandes. Parce que tes enfants sont têtus. Parce que ta famille t'a méprisé. Ne souffre pas pour ça. Jacob aussi avait entendu. Il a envoyé les émissaires. Mais Esaü les a renvoyés. Il n'avait pas accepté cela. Jacob a entendu, il a dit, aujourd'hui c'est ma mort. Aujourd'hui c'est la mort de ma famille. Je ne laisserai pas les choses arriver. Je dois aller chercher Dieu. Présente-toi devant Dieu. Peu importe le nombre des sorciers qui sont dans ta famille. Tu n'as rien à voir avec eux. Tu n'as rien à voir avec ces sorciers. Alléluia. Tu es le mal que Dieu a convoqué. Abengi. Dieu ne t'a pas invité. Zamba bengi sayote. Il t'a convoqué. Apesio motindo akoya. Yes, ok. Dieu ne t'a pas invité, il t'a convoqué. Il a dit tous les mâles doivent se présenter. Dieu ne t'a pas invité, il t'a convoqué. Le jour où Dieu a essayé d'inviter les gens, chacune des personnes a donné sa raison. Je dois nourrir mes bœufs que je viens d'acheter. Je dois essayer, je dois arranger mon champ que je viens d'acheter. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Ça, c'est quand Dieu a lancé l'invitation. Dieu n'a plus besoin de lancer d'invitation. Il sait que ta famille a besoin de sa main. Il sait que ta famille a besoin de sa main. Il faut bien aimer dans le Seigneur que dans chaque famille, un leader se lève. C'est qui un leader, bien-aimé? C'est cette personne qui reconnaît les forces qui se trouvent dans les autres. Un leader bien-aimé, c'est celui qui dévance toujours les autres. Ah, ça dérange, prends les micros. Là-bas. Continue, bien-aimé, reste connecté. Chaque famille a un leader. Jésus est venu comme le leader. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tant que Jésus est là, on ne périt point. Tant que Jésus est là, on ne périra point. Tant que Jésus est là, on ne périra point. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il a pris son sang entre les mains. Il est monté dans le tabernacle céleste. Il a présenté son sang. Bien-aimé dans le Seigneur. Il avait le travail. Il a fait le travail qui devait être fait. Et il l'a fait comme il devait être fait. Et la Bible dit qu'il est monté à la croix une seule fois. Il ne le fera pas. Deux fois. Quand tu te présentes devant Dieu, tu emmènes la charge de ta famille. Fais-le comme si c'était la dernière fois. Fais-le comme si c'était la dernière fois. Donne ta famille entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. J'avais donné mon exemple ici moi-même. J'ai dit j'en ai souffert. Ma propre famille. J'avais donné cet exemple ici. Mais j'étais content. Quand je suis allé à Goma, j'ai reçu l'appel de ma grande sœur qui est à Paris. J'ai reçu l'appel de mon frère. Enfin, les seuls qui me restent, il n'y en a que deux. Toute la famille est partie. Maman, frère, sœur, tous ceux qui étaient là. Makenda, alléluia. Amen. Sur sept enfants, on est resté à trois.
Et même les parents aussi sont décédés. Mais il n'y avait pas, tu vois, cette relation assez soudée, cette relation assez proche. Il n'y en avait pas. Mais j'ai prié Dieu. J'ai remis cette situation entre les mains de Dieu. C'est pourquoi je te dis ce que je viens de te dire là. C'est que je viens te parler là. Pendant tout ce mois d'octobre. C'est parce que Dieu est venu vers moi pour m'en parler. C'est pourquoi je rentre vers toi pour te le dire à toi aussi. Bien-aimé, j'étais très content. J'ai parlé avec ma soeur pendant 45 minutes. Chose qui était devenue impossible. On a parlé, on a rigolé. Il reste un soir. Mon frère m'appelle aussi. Il me pose ses problèmes. Il pleure. C'est comme s'il avait mon épaule pour pleurer, pour dire ce qui n'allait pas dans sa vie. Je l'ai écouté et Dieu m'a donné les moyens pour résoudre son problème. J'étais contente, bien aimé dans le Seigneur. Si tu pries pour ta famille, le Seigneur va agir. Si tu pries pour ta famille, le Seigneur va t'exaucer. Je te jure, ça ne sera pas au prix d'argent, ça ne sera pas au prix de l'or, mais au prix du sang précieux de Jésus. Que ce sang a déjà été versé. Oh, Dieu a dit à Abraham dans Jean chapitre 12. Ta postérité. Alléluia, bien aimé. Amen. Il ne l'a pas béni, lui. Chaque fois qu'il parlait à Abraham de la terre, il disait, cette terre, je la donne à ta postérité. Je la donne à ta postérité. Bien aimé, si tu pries pour ta famille, tu pries aussi pour ta propre postérité. Si tu pries pour ta famille, tu pries pour ta propre postérité. Tu ne verras peut-être pas les enfants de tes enfants. Tu ne verras peut-être pas les enfants des enfants de tes enfants. Mais ce qui est sûr, tu auras déjà préparé les chemins. Comme si Dieu bénit l'obéissance jusqu'à 1000 générations. Oh, tu sais, tu es rassuré. Tel que nous sommes là, nous avons 1000 générations bénies. Dis après moi, j'ai 1000 générations bénies. J'ai 1000 générations bénies. J'ai 1000 générations bénies. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons partir de l'éducation de base. Nous devons fournir tout ce qu'il faut à nos enfants. Cette famille heureuse. Qui crée les valeurs. Cette famille heureuse qui mange ensemble. Cette famille heureuse qui parle de l'histoire de la famille. Cette famille heureuse qui communique comme il faut. Je l'avais dit en ce lieu. Communiquer, ça va d'un sens à un autre. Communiquer, ce n'est pas imposer ta pensée. Ce n'est pas imposer ton idéologie. Mais c'est proposer ce que tu crois que c'est bon. Débattez là-dessus. Discutez là-dessus. Parlez-en au sein de la famille et les choses vont aller comme sur les roulettes parce que Dieu est disponible dans chaque famille qui est unie sur la terre. Que le Seigneur nous donne le temps et le moyen pour faire ce qu'il faut. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est dans l'unité que le Seigneur agit. Il a même dit dans sa parole, il est doit agréable aux frères de demeurer ensemble. Et quand la Bible nous dit dans Matthieu, là où deux ou trois sont réunis, là où deux ou trois sont réunis, ce n'est pas une affaire de nombre, ce n'est pas une affaire des êtres humains. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, c'est-à-dire là où les enfants de Dieu sont réunis, là où ceux qui sont en Christ sont réunis, là où ils parlent le même langage en Jésus-Christ sont réunis, là où bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur sont réunis. Tout ce qu'il demande, le Père accorde. Il dit deux personnes qui s'accordent et demandent une chose, il leur sera donné. Qu'est-ce qui fait que ces personnes s'accordent? Lorsqu'ils ont le même objectif, lorsqu'ils ont le regard fixé sur la même chose, lorsqu'ils ont Christ comme le centre, le fondement de leur vie, là où deux ou trois sont réunis en son nom, fait de ce lieu-là l'assemblée des gens qui prennent des décisions comme Jésus avait dit à Pierre, c'est que vous allez lier sur la terre, c'est lié dans le ciel.
Réunissez-vous. Mettez-vous ensemble. Mangez ensemble. Parlez ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Et vous allez voir la main de Dieu agir. Et elle agira promptement. Elle agira promptement, bien-aimé. Devant nous, nous allons prier. Au commencement était la parole. Et ben, de les qui dit l'oba. La parole était avec Dieu. L'ilobe zala qui dans Zab. La parole était Dieu. Et l'ilobe zala qui dans Zab. La Bible dit quelque part. Bible bien ici comme sous. Dans leur détresse. N'attendoit pas. Ils crièrent à l'Éternel. Bah. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Et sa parole les guérit. Ce qu'on ne connaît pas fait de nous esclaves. Mais ce que nous connaissons nous rend notre liberté. Si nous plongeons notre regard dans la parole de Dieu, comme Dieu avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites le jour jour et nuit, ne t'en sépare pas. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir la main de Dieu agir dans nos familles. Nos familles ont besoin de nous. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a compris que sa famille a besoin de lui. J'espère que ce matin, une personne a compris qu'il est le leader dans sa famille. J'espère qu'il y a quelqu'un ce matin qui a compris qu'il est le mal dans sa famille. Élève tes mains, commence à prier maintenant. Au nom de Jésus.